Hey, salut la gang! Aujourd'hui, je vais ouvrir un moteur. Ben, un combo en fait, là, que j'avais acheté pour mon drift. Que j'ai jamais eu le temps de poser encore. Fait que, on va faire une petite vidéo de voir qu'est-ce qui vient dans cette boîte-là. Vraiment, c'est un Sky RC. Oh, on voit pas. Celui-là, c'est un 13.5 sensor. Il y a plusieurs autres modèles. T'as un 8.5, 10.5. 17.5, 21.5. C'est pas mal tout le même prix. C'est 100 $ canadiens le combo. Fait qu'on va checker qu'est-ce qui vient dans cette boîte-là. Un petit set de collants. Toro, Sky RC, Cheetah, Léopard. D'après moi, c'est pas mal toute la même compagnie. Fait que t'as un livre d'instruction. Après ça, t'as une carte de programmation. L'ESC. 60 ampères. Quand même assez petit. La prise pour le sensor de ce côté-là. Puis j'ai ça, après ça, hop, un petit ventilateur pour le SC qui vient avec. Le moteur, 13.5. Ok, les soudures sont déjà faites. Fait que dans le fond, t'as pas besoin de souder tes fils comme la plupart des combos sensor. Après ça, le fil de sensor. Quatre vis, d'après moi, ça doit être pour le ventilateur. Puis, un fil que je pourrais pas dire à quoi que ça sert. C'est à peu près ça qui vient en boîte du Sky RC. On va ça. On va poser ça dans le drift. Bon, avant de me préparer à installer ça, j'ai remarqué quelque chose dans le combo Sky RC. Le moteur, il donne pas les deux petites vis pour le monter dans le fond au châssis. Fait que faut que tu aies tes vis. Puis le speed control. Il est bien beau. Il donne un ventilateur pour aller avec. Mais ils ont comme oublié de mettre des trous pour mettre les vis. Fait que je pense qu'il va falloir coller le ventilateur sur le SC. Bon, ceux qui voudraient poser ça dans un MST FX6 avec le moteur en avant, un petit problème juste en partant. Le moteur rentre super bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas de place pour passer les fils. Ça fait que dans le fond, j'aurais pas le choix de les enlever puis de souder mes fils. Voilà, c'est fait. J'ai enlevé les connecteurs d'origine parce que, comme vous avez pu voir, ça rentrait pas dans mon drift. Puis j'ai soudé ma plug EC5. Okay, après avoir fini l'installation, ça donne ça. Il faut prévoir que tu as à peu près 4 pouces de fil sensor. Donc, tu sais, moi je voulais mettre mon SC ici, ça se rend même pas. Donc, il va falloir que j'ajoute une extension. Bon, au début du vidéo, j'avais un fil que je savais pas à quoi qui servait, dans le fond, ce fil-là. C'est tout simplement, dans le fond, pour faire la programmation du SC. Donc, tu le branches dans la carte, puis une petite place dans le SC pour le brancher. Pour faire la programmation du SC, faut que le SC soit branché avec la batterie. Après ça, tu mets ton fil dans le SC, ton fil dans la carte, puis tu allumes le tout. Et voilà, ça te dit les settings que tu as en ce moment. Fait que c'est vraiment simple. Tu as un bouton pour faire tous les settings dans le fond. Ça va super bien comme combo. Là, on
vous avez entendu le bruit. C'est pas le bruit vraiment du combo, ça, c'est le FXX. Dans le fond, il fait beaucoup de bruit d'origine, là, donc faut pas se fier au bruit. Le moteur, il roule vraiment doux. Ça. Merci d'avoir regardé mon vidéo. À la prochaine.